Bonjour. Alors, comme vous l'avez vu sûrement dans une précédente vidéo, on a essayé l'ASMR avec de l'eau et du papier. Alors, ce qu'il en est sorti d'après le premier commentaire, pour les papiers, c'est plutôt positif. Par contre, pour l'eau, ça donne plutôt envie de pisser, envie d'aller aux toilettes. Donc, est-ce une bonne idée? Mais si tu as envie d'emmerder la personne, oui, vas-y, fais-le. Si t'as pas envie de l'embêter et de te détendre, non, voilà, parce que là, si t'es couché, t'entends de l'eau couler, plutôt envie de crever, putain, j'ai envie de pisser là. Je suis dans les sous à couette, il fait bon, il fait chaud, et l'autre con, il fait de l'ASMR en me donnant envie de pisser. Non, mais voilà quoi. Donc, je demande. Donc, après, si vous pouvez me conseiller sur des bruitages intéressants qui peut se faire dans l'ASMR. Voilà, je suis dans l'attente de vos conseils. Donc après, vous pouvez me donner des conseils en commentaire. Donc après, je vais donner mon numéro pour comme ça, ils pourront envoyer des SMS pour des conseils. Alors attention, tout message ou appel qui sera frauduleux ou alors qui vise à nuire ou à dégrader seront rejetés. D'accord? Donc, j'ai laissé mon numéro 06 75 01 68 80. Voilà, vous pourrez me donner des conseils pour l'ASMR. J'ai jamais fait ça. Donc, là, on a vraiment fait ça au pied levé. Donc, vous avez dû voir. J'espère que si vous êtes allé aux chiottes ou aux toilettes, vous êtes arrivé à en sortir. Du pissoir, parce que bon, ça donne envie quand même de pisser quand t'entends de l'eau couler. Donc voilà. Bon, bah, je suis dans l'attente et nous sommes dans l'attente de vos conseils. Voilà. Merci. Tu peux couper là.